avec le CDN pour la représentation de votre pièce, vous l'écrivain et vous le metteur en scène. Moi, la mort, je l'aime comme vous aimez la vie. Donc, Mohamed Kassimi, on ne vous présente plus. Écrivain, dramaturge, né en Algérie, vous êtes récompensé de je ne sais combien de prix. J'ai regardé un petit peu votre bio rapide avant de venir. Vous avez été grand reporter, j'ai vu que vous aviez couvert la guerre en Irak en 90. C'est une découverte, je le sais. Oui, ça fait un moment déjà, mais vous avez fait OSA aussi. Vous êtes essayiste, vous êtes dramaturge, vous avez aussi produit des éditions pour France Culture. Et donc vous avez écrit cette pièce, Moi la mort je l'aime comme vous aimez la vie, en 2015, à partir des verbatims de Mohamed Merah et des échanges entre Mohamed Merah et l'agent de la DCRI qui essayait de négocier avec lui. Donc on est après les meurtres commis par Mohamed Merah. On est quelques heures, une trentaine d'heures après ces meurtres, il est cerné. L'agent essaie de négocier avec lui pour le faire sortir et pour le prendre vivant. S'ensuit un échange qui a été reproduit en partie dans Libération et sur lequel, à partir duquel vous avez écrit cette pièce. Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire cette pièce-là? Quelle était votre motivation de départ? De quoi vous êtes parti? De quoi je suis parti? Je travaillais à l'époque avec Jean-Louis Martinelli quand il était au Théâtre des Amandiers. Et c'est vraiment un hasard. Le verbatim est sorti dans Libération, je l'avais dans les mains et j'arrive, on parlait de complètement d'autre chose, il montait l'Andromaque. Et je lui dis, écoute, c'est fabuleux comme matière, etc. Et Jean-Louis me dit, écoute, tu veux pas qu'on le fasse ensemble? Je dis, oui, tout à fait, on va le faire. Et je suis rentré et j'ai travaillé pendant presque un mois, sans arrêt, sur cette matière-là, sachant que, y a ce que je disais hier, il y a une présentation un peu rapide du travail. Et beaucoup ont l'impression que j'ai reproduit texto le verbatim. Le verbatim fait plus de 300 pages, c'est 32 heures de négociation. Il y a eu tout un travail fait à partir, non pas exclusivement sur le verbatim, mais tout un travail reprenant bien sûr les propos, en respectant scrupuleusement les faits rapportés, évoqués par l'un et par l'autre, mais en faisant à la fois un travail sur la langue, sur la chronologie, sur les verbatims sont une sorte de récit en spirale et très très incohérent, donc il fallait donner de la cohérence là-dedans. Les verbatims, c'est des pavés d'échanges, c'est-à-dire on a 10 minutes l'un, 10 minutes l'autre, c'était de travailler, de condenser tout ça, et surtout d'insuffler toute la trajectoire du personnage du terroriste à partir de toute une enquête après faite pour donner de la dimension et préciser un peu les contours du personnage et surtout sa trajectoire. Voilà. Vous, Johan Manka, jeune metteur en scène, réalisateur, comédien, quelquefois les deux en même temps, du coup, vous rencontrez cette pièce et Mohamed Kassimi en 2015, vous décidez de la mettre en scène. Qu'est-ce qui vous a parlé? J'ai un petit peu lu ce que vous aviez déclaré à l'époque, vous disiez que en gros, vous aviez une forme, sinon d'identification, du moins proximité, en termes de, on va dire, au moins de début de trajectoire. Et ce qui vous intéressait, c'était de voir comment les chemins se séparaient, en fait, c'était entre vous et Merah. Début de trajectoire, c'est surtout que c'était un jeune mec de 20 ans qui a grandi en banlieue, en tout cas, ou qui a grandi dans des quartiers un peu sensibles. Moi, ça a été le cas. C'était votre cas aussi, oui. Voilà, et puis je me suis surtout rendu compte que c'était tout un pan de la jeunesse, de ma jeunesse, qui était touché par cette haine de la France complètement viscérale, cette envie d'échappatoire à tel point que ce suicide social, quoi, voilà. Et quand je suis tombé sur ce texte-là, et évidemment, c'était après les attentats de Charlie, moi je suis tombé sur le texte un peu plus tard quand même, pas au moment de l'écriture, et je me suis posé la question, quoi, comment nous, comment jeunes metteurs en scène, voilà, on peut parler de ce sujet-là. Et ce texte-là m'est tombé dessus, et c'était comme une évidence assez rapidement d'en faire quelque chose. Et comme je le dis lors des rencontres qu'on fait après la pièce, il y a eu une forme d'empathie pour le personnage pendant quelques secondes, quelques minutes en lisant le texte. Et,
Et c'est une sensation pas normale, mais c'est une sensation qui ramenait ce mec-là qu'on nous présente comme un monstre, comme ça nous le ramène à l'état d'humain. Et du coup, ça nous fait réfléchir. Voilà. La pièce, vous l'avez créée en 2015 à Avignon, hein, c'est bien ça, la première représentation? Non. C'est plus tard non, que non, ça. Non, c'est en 2006 et 2015, mais à Limoux, c'était à Limoux, c'est un festival. C'était à Limoux d'abord. Voilà. Bonjour, c'est un festival de nouveaux auteurs dans la vallée de l'Aude. Ouais. Voilà, où c'est un festival qui est dirigé par Jean-Marie Besset et Gilbert Desvaux, et il présente dans ce festival des textes inédits, voilà, d'auteurs qui n'ont jamais été montés. Et c'est Jean-Marie Besset qui m'a présenté ce texte-là pour la première fois. D'accord. Alors, quand la pièce est éditée en 2015, elle est représentée à Séville. Il y a finalement des réactions qui sont plutôt positives. Moi, les critiques que j'en ai lues de cette époque-là, j'en ai lues dans la Dépêche, j'en ai lues sur le site de la Ligue de Défense Juive aussi, qui sont plutôt positives. Alors que c'est un mouvement extrémiste. Mais alors que c'est quand même. Alors que oui, on est assez d'accord. Ouais, et je dis, bon, qui est plutôt positive, en fait, qui engage plutôt à aller voir la pièce. Il se passe plutôt pas grand-chose, enfin, en tout cas, elle fonctionne, la pièce. Et puis cet été, en 2017, il y a une espèce de cabale qui est lancée contre cette pièce-là, contre vous aussi, contre le CDM, contre David Bobet, enfin bon, tout le monde y a droit, en expliquant en gros, c'est une apologie du terrorisme et c'est une apologie de Mohamed Merah. Oui. Ce qui est d'autant plus incompréhensible que vos positions contre l'islamisme, on les connaît, elles sont très claires. Vous avez défendu Salman Rushdie, vous avez publié des tribunes extrêmement claires, notamment sur le voile, sur les caricatures. Oui, sur les caricatures, vous avez pris la défense de Charlie, hein, vous êtes monté au plan, vous avez un positionnement idéologique qui est très clair. Ouais. Comment ça peut vous tomber dessus, comme ça? Enfin, moi, il y a quelque chose qui m'a complètement échappé dans cette histoire. Je ne sais pas vous, si vous, vous avez une explication, mais c'est quand même étonnant. Ouais. Il y a deux choses qui expliquent ce qui s'est passé cette année. Je pense que ça ne serait pas passé il y a une dizaine d'années. Une très forte montée de l'extrême droite et une contamination même des élites par l'idéologie de l'extrême droite. Qui maintenant, il y a une sorte de porosité sociale où les gens, sous prétexte de lutte contre l'islam, se retrouvent dans une sorte de racisme complètement décomplexé. L'islam, aujourd'hui, la peur qui est légitime de l'islam, autorise les réactions les plus malsaines et les plus violentes vis-à-vis de cette culture et de cette communauté. La deuxième chose, c'est l'influence la mise en place de cette dictature, je dirais, des réseaux sociaux, où on remplace l'émotion, la réflexion par l'émotion. C'est-à-dire, il n'y a plus de calcul, il n'y a plus d'antériorité, il n'y a plus d'analyse, on réagit à chaud, et là, on est dans une sorte de culture collective de l'amnésie qui ne tient pas compte du passé des uns et des autres, et on déverse ce qu'on veut. Donc, la pièce, elle est passée au début inaperçue, Johan était sur place. Donc, il y a eu un article très positif publié sur le site de France Télévisions. Oui. Et là, c'est Valeur Actuelle qui va ouvrir le feu. Et après Valeur Actuelle, c'est toutes les franges d'extrême droite qui vont déverser toute leur haine sans tenir compte de la position très très modérée du CRIF, de la réaction très modérée des avocats des familles juives. Oui. Tout ça, on n'en tient pas compte. C'est-à-dire, on est dans une sorte de vomissement collectif, ce qu'on a vu par exemple sur Dupond-Moretti il y a quelques semaines, et peu importe le sujet, en fait. C'est-à-dire, c'est la polémique pour la polémique et la haine pour la haine. Donc, Bobet en prend pour son grade, pour ses positions très politiques et très affirmées. Johan également. La pièce aussi. Et donc, on se retrouve. Et ce qui est sidérant, c'est qu'il y a eu des articles dans l'Express, dans Le Point, dans Le Figaro, dans Marianne, dans Mediapart. Aucun journaliste, à part Libération, qui a pris le soin de m'appeler, de dire qu'est-ce qui se passe. Aucun vous a Libération a appelé en disant nous allons voir ce qui s'est passé. Mais il faut saluer le travail de Libération qui a fait. C'est le seul journal qui a sorti une double page, on peut dans les pages France, en disant voilà, nous n'avons pas vu le spectacle, mais attention, nous sommes en train d'empiéter sur
la liberté de l'art, etc. Voilà, donc c'est allé quand même jusqu'à la ministre de la Culture israélienne qui a écrit à notre ministre de la Culture pour demander l'interdiction de la pièce. Ouais, c'est quand même allé jusque-là. Quoi. Ouais. On a atteint quand même des... Pour cinq dates à la manufacture. Non, c'était du délire. Mais Mohamed a raison, ça cristallise énormément de choses. Il y a énormément de confusion. L'affaire Mera et toutes les affaires de terrorisme islamiste, elles mélangent beaucoup de choses. Le passé colonial, elles mélangent énormément de choses. Et il y a beaucoup de confusion. Et donc les gens sont complètement hermétiques, quoi. Ils ont le cerveau complètement anesthésié par ce genre Dans la plupart des cas, les critiques, elles venaient de gens qui n'avaient pas vu la pièce et n'avaient même pas lu le texte, parce que c'était gratuit. Voilà, ouais. Aucune critique n'avait... On a même le cas d'une professeure titulaire de chaire, maintenant on peut la citer, Isabelle Barberis, qui m'appelle, c'était quand les dernières représentations? Elle m'appelle le jour de la dernière, en me disant « Bonjour, je suis à Rouen, j'aimerais bien assister à la représentation, je vais sur le festival demain. » Je dis « Madame, écoutez, je suis désolé, c'est la dernière aujourd'hui. » Le lendemain, elle publie dans Marianne, dans Mediapart, trois pavés parlant de la scénographie, de la mise en scène, du jeu des comédiens, de la pièce qu'elle n'a pas vue. Donc, et elle me demande, elle me dit « Je vais vous interviewer. » Donc, je reste à 17h devant le téléphone. Elle n'appelle pas. Et elle n'a pas la sensibilité à la fin de l'article de dire « je n'ai pas vu la pièce ». Et elle dit « vous m'avez... » Il m'a posé un lapin, ce qui était complètement faux. Et je l'appelle le lendemain, je dis « Madame, je suis désolé, vous dites le jeu des comédiens n'est pas convaincant, je veux bien. La scénographie laisse à désirer, je veux bien. Mais vous ne l'avez pas vu, la pièce. » Et elle me dit « Monsieur, je n'ai pas à vous révéler mes sources. » Sur ce, elle publie à la rentrée un autre article dans le Figaro Vox. Donc, c'est le grand écart chez cette dame, c'est-à-dire de Marianne Mediapart au Figaro Vox. Et puis, elle prépare un essai chez les presses universitaires de France sur l'antisémitisme et ma personne. Donc, elle parle de la... Enfin, bon, c'est un délire. Mais parce que ça, c'est pareil, il y a eu plein de confusion chez cette jeune femme. Parce qu'elle avait un différend direct avec David Bobet. Et qu'elle a réglé via cette affaire-là. Et le problème, c'est qu'elle ne se rend pas compte qu'elle fait beaucoup. Parce que là, tu tapes Johan Manka sur Google, c'est les premiers articles qui sortent. Donc bon, c'est en plus, pour un différend avec David Bobet de je ne sais quand, de je ne sais où. Voilà, c'était sur la diversité sur les plateaux, ils sont embrouillés. Voilà. Et elle a réglé ces différends via ce spectacle parce que ça faisait un buzz pas possible et qu'on était partout cet été pendant une semaine. Donc c'est assez... Bon, ça, c'est un autre sujet. Je pense que c'est un sujet assez personnel et on s'en fiche, en fait, de cette dame qui Mais elle s'est jointe à la meute, enfin, parce que ça a vraiment... Oui, elle s'est jointe à la meute. C'est vraiment, ça s'est déchaîné. Mais tout est parti aussi de Twitter où on m'a expliqué un peu comment fonctionnait. Il y a des cellules extrémistes, de défense juive, mais extrême, qui ont des c'est une amie à moi qui travaille dans ces réseaux-là. Ils ont des gens, en fait, qui tweetent des choses avec beaucoup de suivers sur Twitter. Et ça fait des parts de feu, Et du coup, ça fait des parts de feu. Et c'est parti de la responsable de communication de Mounir... non, comment il s'appelle, le Français à l'étranger, là? Ah non, c'est Meyer Habib, député... Meyer Habib. Ça a chargé de communication. C'est un député français centriste... Voilà, des Français de l'étranger. Il a une responsable de communication qui s'appelle Salomé, je ne sais quoi, qui a tweeté des choses très violentes le soir même, et tout ça a fait des parts de feu. Et voilà, c'était... Nous, on a vu un peu... Moi, j'ai suivi l'affaire Dupond-Moretti, et ils disent des réseaux sociaux que tout le monde déverse sa haine impulsivement, sans forcément signer, en plus, c'est ça qui est terrible. Ça peut rester anonyme. Et nous, on a reçu des menaces. Moi, j'ai fermé mon compte Twitter. Voilà, on a reçu des menaces de mort concrètes. Tous, David. Le théâtre a été placé sous protection de la police. La manufacture à Avignon est pas...
Voilà, il passait sous protection de la police parce qu'il y avait des gens qui venaient crier. Enfin, voilà, c'était complètement dingue. Après, il y a quelque chose... Enfin, moi, là-dedans, ce que j'ai eu peur au début, évidemment, parce que j'étais pas habitué à ça. Et puis, je me suis dit, ah, finalement, c'est quand même bon signe. Le théâtre a encore moyen de faire bouger, de mettre un peu la flamme. On peut le voir comme ça. Et je pense qu'il faut le voir comme ça. Et je me dis que, voilà, si ça fait... Si à ce point-là, ça veut dire qu'il vit encore le théâtre. Il y a encore une vie pour le théâtre, c'est déjà ça. Il n'y a plus beaucoup d'argent. J'ai pas encore vu la pièce, hein, je vais essayer de la voir ce soir. Par contre, j'ai lu le texte. Oui. Bon, moi, je vous connaissais déjà avant. Il y a des coupes, hein. Oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait des coupes. Hein. J'ai cru comprendre qu'il y avait des coupes. bon, moi, je connaissais déjà votre positionnement avant, donc j'avais un a priori favorable de toute façon. Hein, ouais. Mais en même temps, quand on lit ce texte-là, on ne peut pas vous accuser de le défendre de quelque façon que ce soit. Il n'est absolument pas défendu. Vous posez effectivement, on sort de la problématique du monstre, ça je suis d'accord avec vous, donc on repose un simple humain, un humain ordinaire, mais qui est d'une telle banalité au final qu'on en revient à peine, c'est-à-dire qu'on se dit, ben, c'est ça, en fait c'est ça, Mira. C'est cette espèce de type pas bien consistant, un peu inconsistant. Moi, la seule chose qui m'a inspirée à la fin, c'est le vide, quoi. C'est le néant. Il y a une espèce de vacuité. Il y a le degré zéro de la pensée. Voilà, Mera, c'est ça, le degré zéro de la pensée. Bah, et on en sort avec cette impression-là, avec le contexte d'antisémitisme est bien décrit, on l'entend aussi. En même temps, c'est un type qui n'est pas forcément très religieux. Enfin, on sent pas. Non, il n'y a pas ça non plus. On ne le sent pas. Il n'a pas forcément été appelé par Daesh pour ça non plus. Enfin, il n'y a pas non plus de commande. Enfin, ça, il n'y a pas ça. C'est un type qui est plongé dans son univers ultra violent pour le coup, qui est vraiment dans une logique d'ultra violence, qui joue comme qui tue des gens comme on joue un jeu vidéo. Parce que moi, c'est l'impression que ça donne. Quoi. C'est clairement cette impression-là. Et puis cette vacuité, quoi, ce vide. Il était tellement vide que le moment le plus fort du procès. Et je pense qu'il y avait un besoin de saturation de la part de la Vox Populi par rapport à ce personnage qui incarnait une sorte de monstre venu d'ailleurs, téléguidé, etc. Quand l'officier de la DCRI au procès a dit « Je pense que c'est un loup solitaire ». Et il y a eu, les parties civiles ont hurlé parce que le personnage ne correspondait plus à ce fantasme collectif et à cette image collective qu'on s'en était faite de... piloté par Daesh, par Al-Qaïda, etc. Non. Et on revient à la banalité du mal. C'est pas le mal banal, c'est la banalité du mal. C'est que quand Arendt arrive à Jérusalem, elle était convaincue que Eichmann était un diable, le diable en personne. Elle est derrière et elle trouve ce petit fonctionnaire rondelé, lâche, misérable. C'est un minable qui est là et qui répond par des clichés, qui balbutie, et elle est sidérée par l'écart qu'il y a entre le côté très très minable du personnage et l'aspect monstrueux de ses actes et le fait que quand elle dit la banalité, elle a été très attaquée, traitée d'antisémite, d'anti-juive, d'anti-sioniste, tout, elle a été traînée dans la boue. C'est qu'elle dit la banalité du mal, c'est quand quelqu'un fait du mal et qu'il ne réalise pas qu'il le fait. Voilà le concept. C'est l'absence de pensée radicale chez l'individu qui est sûr du bien fondé de l'acte criminel qu'il a commis en étant sûr que c'est un acte légitime. Il y a des choses qui sont terribles hein, dans ce qu'il dit. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. À un moment donné, l'agent de la DCRI lui demande « À quoi tu pensais quand tu as posé ton pistolet sur la tempe de l'enfant ?» C'est Myriam Montenegro qui l'a tiré à bout touchant. Et qu'il répond, je pensais à YouTube. Ouais. En fait, il était en train de penser à comment, comme il était en train de filmer, qu'il a filmé tous ces meurtres, il était en train de penser si en gros l'angle de vue allait être correct pour sa vidéo YouTube. Il pensait à ça en tuant, à bout touchant, une petite fille de 8 ans. Et on lit ça et on se dit non. Enfin, non, c'est à la fois inconcevable, c'est inimaginable. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut manquer de conscience à ce point-là? C'est l'absence de la pensée, l'absence de la conscience. Il n'y a rien. Il n'y a juste rien.
Ouais. Dit même, je n'ai jamais tué d'enfant. Enfin, je n'ai jamais tué d'enfant. Je n'ai jamais tué d'enfant. Mais de toute façon, quand il corrige à un moment l'agent en disant non, mais ce ne sont pas des victimes, ce sont des cibles. C'est un jeu vidéo. Mais on a l'impression d'être plongé dans un jeu à travers ce qu'il dit. On a l'impression d'être plongé dans un jeu vidéo. Moi, c'est l'impression que ça m'a faite. Donc, j'ai pas encore vu la pièce. Je sais pas si on ressent la même chose, mais en tout cas, quand on le lit, on est dans un jeu vidéo. C'est exactement ça. Mais je crois qu'en fait, il y a une inconscience totale de il y a quelque chose de complètement inconscient en fait. Dans son vide, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, on va pas faire de généralité évidemment, mais il y a eu tout un pan de la société, enfin moi je l'ai vécu, je l'ai côtoyé, la haine de la France. Les gens dans ma classe qui disaient mais nous on n'est pas français, nous nique la France, nique la France. Ce truc qui te nourrit une espèce de haine comme ça, qui grandit. Enfin je veux dire, pendant les attentats de Charlie, il y avait énormément de gens, moi j'avais des vieux amis sur les réseaux sociaux, des copains que je croisais au collège et que parfois on retrouve sur... J'avais des « je ne suis pas Charlie, moi ». Moi, je ne suis pas Charlie. Vous l'avez raconté d'ailleurs, vous aviez rencontré des lycéens. Mais parce que c'est une réalité. Parce qu'il y a tout un pan de la jeunesse de qui n'était pas Charlie. Qui n'en a rien. On n'a pas voulu le voir. On n'a pas voulu voir ça. Oui. C'est quelque chose qu'on refuse de voir. Il y a un antisémitisme qui est complètement, qui n'est même pas nommé. Enfin, c'est normal d'avoir la haine du juif. Là, il est génétique. Enfin, la limite, quasiment, quoi, l'antisémitisme. Il n'est même pas pensé. Quand sa mère regarde le 11 septembre et qu'elle dit bien fait pour ses juifs. Bon, voilà, on a compris. C'est même pas pensé. Il est né comme ça. C'est comme si, voilà. Moi, j'aime les pâtes depuis que je suis né. Bah, lui, il déteste les juifs. Enfin, il y a quelque chose. Mais c'est ça. C'est quelque chose d'aussi. D'aussi banal que ça. Qu'est-ce qui parlait de l'antisémitisme au biberon, qui avait fait scandale d'ailleurs, un auteur très connu, bon, ça me revient c'est pas. Ça, là, c'est ça, c'est l'antisémitisme au biberon. Et je crois que c'est pareil. Avec les armes à feu, avec la violence. Avec vous verrez dans la mise en scène, mais il y a c'est vrai que cette part de violence dans les jeux vidéo aussi, c'était aussi pour résumer ça, c'est-à-dire que dans les quartiers, les bruits de calache, tu peux les entendre assez facilement. Il y a quelque chose. Je regardais une vidéo il y a pas longtemps, un truc qui m'a surpris. C'est dans le RER, et puis il y a une embrouille entre jeunes et la police. Le jeune de la police prend le flingue du flic et fait ça. Et là, tu te dis, mais en fait, on est où, mais parce qu'il n'y a pas de, parce qu'il n'y a pas, il y a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes, il y a pas les mêmes références. Un pétard, on appelle ça un pétard dans les quartiers. Un pétard, c'est un pétard. Il y a pas de, voilà, il y a quelque chose de beaucoup moins. Ça lui fait quelque chose, il le dit. Non, mais ça lui fait quelque chose de tuer pour la première fois, mais. Mais ça l'émeut pas plus que ça. Non, il y a une banalité là-dedans. Alors, il y a quelque chose d'étonnant aussi quand on considère cette famille Merah. Ils sont 5 frères et sœurs. Abdelkader vient d'être jugé. Il a pris 20 ans pour complicité de... Pas pour complicité, pour association de malfaiteurs. Ouais, il n'a pas été reconnu complice, d'ailleurs. Il a pris 20 ans. L'autre frère, Abdelghani, qui lui, au contraire... est en rupture avec sa famille, a été témoin à charge d'Abdelkader et complètement dans une logique lui de défense de la laïcité. Il est anti-islamiste, il est anti... Et les deux autres sœurs qui se partagent aussi. Comment est-ce qu'au sein de cette même famille, où on a eu des parents qui ont éduqué les enfants de la même façon, on peut se retrouver avec des trajectoires aussi différentes? Est-ce que vous avez eu l'occasion de les rencontrer, autres frères, d'être à vue? Comment est-ce qu'on peut poser ça? C'est une famille quand même bien déchirée. Enfin, je veux dire, même si c'est vrai que le frère a pris un autre... Il est quand même... Son frère a bien attaqué. Enfin, c'est quand même, quand tu l'entends parler, etc. L'autre frère, tu sens qu'il y a une grande, grande souffrance quand même lui. Je pense que c'est de naissance, puisqu'ils se frappaient dans cette famille. Il y avait une grande violence dans cette famille. La sœur est partie en Syrie. Il y a des histoires d'inceste aussi. Enfin, c'est quand même complètement terrifiant, cette famille. Non, je pense que c'est aussi le mystère parfois de... ta maman te dit de pas fumer, tu vas fumer. Je pense que c'est aussi simple que ça. Maintenant, ça aide quand même d'avoir une famille aussi déglinguée.
sans argent, un père dealer, une mère complètement analphabète. Abdel Ghani s'est opposé à la pièce. Hein. Il était assez remonté d'ailleurs. Hein. J'ai vu deux, trois interventions. Oui. Non, mais c'est pareil, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que oui, il est remonté, mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Lui, il a entendu les articles, il a vu qu'on en faisait un héros. Bon, bah, dans sa tête, il se dit, mais comment on peut faire un héros de mon petit frère qui est un enfoiré. Ouais. Donc, il n'est pas allé chercher plus loin que le bout de son nez. Moi, c'est ce que je lui reproche un peu, mais il aurait dû nous contacter. Il ne vous a pas contacté. Non, il m'a fait une lettre ouverte. Oui. Il parle de ses papiers, il y a beaucoup de confusion. Il a publié sur Facebook, Mais au-delà du cas de Mera, c'est-à-dire, on le voit très très bien dans sa trajectoire, c'est-à-dire l'échec scolaire, la misère, le père absent. Et on le voit, je reviens à Arendt qui traite à un moment donné Eichmann de clown, ce qui est très très violent. Et là, on peut dire que c'est un couillon. C'est vraiment un couillon. C'est-à-dire, quand il va en Afghanistan et il se déguise en touriste, dont le seul espoir d'être enlevé par les talibans, c'est sa quête, c'est qu'il m'enlève et je suis un touriste et je dis que je ne suis pas musulman. Donc il y a une recherche presque pathétique du père dans cette histoire-là. Et puis après l'échec scolaire, l'alcoolisme du frère, le Abdel Ghani, qui a sombré aussi dans la dope et dans l'alcool, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti intact de cette histoire, il faut le dire. Tous ont été abîmés par cette histoire-là. Est-ce que l'objectif de la pièce, un peu, c'est, comme dirait quelqu'un hier dans la salle, c'est pédagogique. C'est de mettre le doigt du public sur cette trajectoire. Pratiquement, on a l'impression que c'est la chronique d'un meurtre programmé et annoncé. Quand on prend un jeune, il est exclu de l'école, il est exclu de son emploi, on lui fout dans la gueule 18 mois pour le vol de 10 euros, et il passe par la case prison, et là, il découvre Dieu, et il se convertit, comme il dit, à l'islam, alors qu'il est musulman de naissance. Et là, après, au bout de cette quête désespérée à travers le monde, où il cherchait quelque chose, et à la fin, il est comme cet héros, de Sartre dans Hérostrate, qui descend dans la rue et qui flingue tout le monde. Ne sachant même pas pourquoi, parce que le motif religieux, il n'est pas invoqué, il est complètement dérisoire, et c'est un alibi plus qu'une conviction. Il y a une haine qui est générée par ce parcours familial, individuel, et le fait de plonger. C'est vrai, quand on voit la réalité de certaines cités française aujourd'hui, c'est pas pour légitimer, c'est pas. On comprend que cette réalité sociale aujourd'hui pousse des jeunes à rompre avec tout et aller se faire flinguer ou aller flinguer d'autres en Syrie ou en Irak. Nous avons une part de responsabilité, et le fait de dire ça c'est un monstre, je pense que c'est une façon un peu facile d'évacuer le débat. Ce n'est pas un monstre. Non, c'est un être humain comme nous. Et que là, nous avons le devoir, en regardant la pièce, en regardant le travail de Johan et de Charles, de dire pourquoi. Et la pièce répond en partie à cette trajectoire et cette disjonction individuelle. Est-ce qu'on peut le mettre en connexion avec les autres terroristes islamistes qui lui ont succédé après, les frères Kouachi, Koulibaly, etc. Est-ce qu'on est dans le même... dans le même type d'individu, dans le même type de trajectoire, c'est la même chose. Koulibaly, il s'est radicalisé en prison. Les frères Kouachi, c'est des enfants mis en foyer très jeunes, trajectoire complètement catastrophique. Moi, ils viennent pas loin de chez moi, ils sont des buts de Chaumont. Il y a quelque chose de c'est assez similaire quand même, c'est assez frappant d'ailleurs. Non, je pense qu'il y a plein de choses à revoir. Comment on les met en prison très jeunes, pour rien. Enfin, Mera, il prend 18 mois pour pas grand-chose, un vol d'un sac. Il a pris 18 mois pour un vol à la tire, plus d'un an. Quand tu sais ce qui se passe en prison, c'est fou. J'écoutais, c'est pas pareil, mais j'écoutais un braqueur. Il y avait un truc qui est super, un documentaire sur la radio, Arte Radio, qui faisait un document sur les braqueurs. Et il y a un braqueur, à un moment, qui dit, j'ai pris... Je me suis pris un fourgon quand j'avais 20 ans.
Je suis allé en prison. Si jamais il m'avait mis là quelques temps dehors, j'aurais refait ma vie ailleurs. Sauf que je suis resté 3 ans en prison et je me suis fait des contacts dans le grand banditisme et j'ai pas arrêté de braquer pendant 10 ans derrière. Voilà, il y a c'est vrai que la prison est quelque chose de très délicat et de choses à repenser. Je pense qu'on est dans un système très archaïque au niveau de la prison, en tout cas. Ouais. Je sais pas, mais je sais pas non plus. Et avant la case prison, il y a quand même y a l'école, quand même, il y a l'éducation, il ouais. y a quand même des phases qui sont importantes. Le foyer, la violence, oui. Et c'est vrai, ce que vous dites, c'est que nous avons presque. C'est archétypal, c'est-à-dire que le jeune qui a égorgé les deux filles à Marseille. Oui. Sans papier, oui. Drogué, alcoolique, le type de Nice, le même parcours. Drogué, homosexuel, alcoolique, violence sur sa compagne. Donc, c'est-à-dire qu'on assiste à une sorte d'islam low cost qui arrive, qui est une sorte d'hyper-virilisation des mecs, qui ça rajoute, c'est une sorte de plus-value symbolique par rapport à une délinquance et une forme de délinquance sociale. Ce n'est pas uniquement un délinquant, c'est le délinquant qui donne une légitimité, je dirais, symbolique à son acte, même s'il n'adhère pas du tout à cette idéologie. Alors du coup, voilà. Où est-ce qu'on la met l'idéologie? Où est-ce qu'on met l'islam là-dedans? Où est-ce qu'on met l'islamisation là-dedans? À quel endroit on la situe? À quel niveau de responsabilité? Elle se situe comme une sorte de détonateur symbolique qui légitime un acte de transgression ou de violence sociale. Ce que, si je tue, c'est pas parce que je suis fou, parce que j'en ai marre, parce que je suis dingue, parce que je suis suicidaire, je tue par amour de Dieu. Et là, c'est extraordinaire. À cela s'ajoute tout le côté eschatologique, c'est-à-dire la mort n'est plus une fin en soi, mais une porte ouverte sur le paradis. Il y a un moment, quand il y a eu les premiers attentats kamikazes en Israël, les gars du Shin Bet étaient perplexes devant une situation, c'est que tous les mecs qui se faisaient exploser avaient le sexe épilé et le kiki entouré de bandelettes avec du parfum et du musc. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Une fois, deux fois, trois fois. Et au bout d'un moment, ils tombent sur un mec dont l'explosion a raté, qui avait le kiki enveloppé. Et on lui dit, mais pourquoi tu as le kiki épilé avec du henné? Il dit, parce que je m'apprêtais à coucher dans 2 secondes avec les 72 vierges. C'est-à-dire que ce que nous considérons, nous, comme une forme de mort brutale, comme une forme de violence inouïe, est dans la tête de ces jeunes-là, comme une forme de transfiguration et d'accomplissement. C'est un orgasme. La mort est transformée par cette idéologie-là en sorte d'orgasme perpétuel. Le niveau de croyance est profond. Il faut être profondément investi d'une croyance. C'est pas anecdotique quand même. Quoi. Il faut y croire quand même. C'est une lobotomisation du cerveau. Qui est aidée par un mal-être social énorme. Ouais, ouais. Je sais plus si c'est toi ou Mohamed qui me racontait ça, mais dans certains quartiers où les gens sont picoles, deal du shit, drogue, ils n'ont plus rien en fait. Ils n'ont que de la drogue et ils se sentent mal. Et leur seule porte de sortie vers quelque chose de plus sain, ils mettent une djellaba et ils vont prier. Il y a un mec qui vient toquer à leur porte en leur disant « Mais viens, viens prier avec nous, viens, viens, tu vas voir, ça va être... » Et ils arrêtent la drogue, ils arrêtent le shit, ils sont aidés partout dans le monde parce qu'ils ont des frères et des sœurs. C'est une nouvelle entrée pour un nouveau monde social. Et ça, quand s'ajoute un extrémisme à côté de ça... On l'a su pour Koubali, les frères Kouachi, pour d'autres, mais pour Mera, je ne suis pas certaine. Est-ce qu'on a su si à un moment donné, il y avait l'imam local, la mosquée locale, qui a pu jouer un rôle ou pas forcément? Non, pas dans son cas à lui. Hein. Non. Lui, ça n'a pas été de. Ça a pas été parce qu'il cas. Le dit, il le il dit le, très ouais. bien. Il n'a pas été embrigadé en prison parce qu'il dit « je me suis converti » au moment où il essaye de se suicider. Donc il n'est pas, certes, il y avait une cellule islamiste dans le quartier, mais on n'a pas, ça se voit d'ailleurs dans sa culture, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'arabe, qui ne connaît pas du tout, qui bricole, c'est une sorte de bricolage symbolique qui est là et qui caractérise, franchement moi j'ai jamais pensé à, en écrivant, j'ai pas pensé à lui, j'ai pensé à un archétype de jeune aujourd'hui, capable de tuer pour rien, voilà.
parce qu'il n'a rien et qu'il est rien. Voilà. C'est ça le postulat de base. Donc, et l'islam vient après coup légitimer cet acte de violence inouïe. Après coup. C'est la porte de sortie, je dirais, qui donne de la respectabilité ou qui donne de la légitimité à un acte illégitime socialement. Parce qu'il le pose la question, il dit, est-ce que tu penses que c'est légitime ce que je fais ? Et il se soucie de cette légitimité-là, et c'est vrai que la caution divine vient du coup absoudre cet élément défaillant de toute forme de crime répréhensible. Il l'a fait pour Dieu. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas moi qui ai le droit de poser des questions, des réactions. Je voudrais simplement, je ne suis rien par rapport à Madame Arendt, je voudrais simplement modifier quelque chose, c'est qu'elle l'a vu quand il était pris, oui. Dans un état. Moi, je connais des gens qui l'ont vu à Vienne en 1938, et croyez-moi, ce n'était pas un petit fonctionnaire. Il avait une autre stature. C'était une autre stature. Ouais. Et comment il jouait beaucoup avec l'histoire des visas, tu m'apportes tant d'argent, tu t'as de ton visa, et le lendemain, ça avait changé, et ça durait, c'était un petit jeu de chat et souris, qui n'était pas innocent du tout. Oui, bon, bien sûr. Elle a fortement raison pour quand elle l'a vu. Mais je pense que c'était plus. Je pense qu'à mon avis, quand elle dit ça, il y a quelque chose de symbolique aussi là-dedans. Oui, je comprends bien. Mais c'est sûr que le mec en costume de SS à Vienne en 38, ça devait être autre chose, bien sûr. Elle qualifie l'écart entre ce qu'elle sait imaginer et ce qu'elle en voit. Moi, c'est exactement l'impression que j'ai eue. C'est ce que je m'en suis imaginé et ce que j'en ai lu, là, c'est exactement cet écart-là. Là, effectivement, on imagine le monstre qui tue froidement. Cette personne, dont trois enfants, ça sont des actes horribles. Ouais. Et ce qu'on en lit là, effectivement, c'est un rien. C'est un rien. Ce type est un rien. Mais c'est vrai qu'en disant ça, elle le ramène à l'état d'humain. Elle le ramène à l'état d'humain. Il n'y a pas de jugement absolu parce que rien n'est absolu. Ça, c'est certain. Il a ses raisons, comme disait l'autre, tout le monde a ses raisons. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Mais on ne peut pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une condamnation non plus absolue parce qu'il est comme on est. Ah ben, de toute façon, c'est totalement. Moi, ça échappe à ma compréhension. C'est-à-dire qu'on est au-delà du raisonnement, au-delà de toute logique, au-delà de tout. Enfin, en tout cas, moi, la mienne. Enfin, moi, ça m'échappe. Voilà. C'est quelque chose qui m'échappe. Moi, je ne trouve pas parce que je ne sais pas que je voudrais y trouver les suites. Ce que dit monsieur me semble vraisemblable quand on connaît les prisons et qu'on voit les gens et qu'on voit qu'on enferme un gamin qui pourrait être sorti. On pourrait le sortir de là et que ce n'est jamais fait, que tout est fait au contraire pour l'enfoncer. Je ne comprends même pas une personne qui se fait arracher son sac et qui va porter plainte et qui sait ce qui va se passer. Eh bien, moi, je ne le fais pas. Mais ça, c'est. Je suis un peu comme vous, c'est complètement hors de raison ce qui se passe, c'est complètement dingue. Mais moi, ce que j'ai envie aussi, enfin, avec ce texte, là où on insiste, c'est que. Ça nous paraît dingue, ça paraît dingue à certaines personnes, mais il y a plein d'autres gens, plein de couches de la société à qui ça parle. À qui ces actes-là sont des actes héroïques. Et quand, moi j'ai une anecdote assez terrible, on a joué ce texte-là pendant les attentats du 13 novembre, on était en face de la belle équipe, on a couru dans la rue, enfin je les ai vécus très frontalement. On se cache dans un bar, on sort à 2h du matin, je suis en scooter à Paris, je ne pouvais plus prendre mon scooter parce qu'il était complètement dans la zone, encerclé par la police. Et je ne sais pas si je t'ai raconté cette anecdote, mais elle est assez folle. Je rentre dans un taxi avec un ami à moi, on rentre dans le taxi, et puis mon ami déconne un peu avec le taxi, et puis fait « vous pouvez faire gratos quand même là, enfin, je veux dire, on n'a pas de... vous pouvez le faire gratos le taxi. Non, moi je ne le fais pas gratos. » Et là on commence à sentir qu'il y a un petit agacement chez ce chauffeur de taxi. Et puis, il dit, mais attends, quand même, il vient de nous arriver un truc de fou, là. Enfin, il insiste un peu, Thomas, Simeka, un peu bu pour essayer d'oublier ce qui se passait. Et puis le chauffeur fait, non, mais attendez, vous l'avez bien cherché, hein, avec votre président et tout, là, votre président, vos engagements et tout, vous l'avez bien cherché. La Syrie, l'Irak, etc. On est descendu du taxi, on a failli se cogner, vraiment, parce que évidemment, c'est insupportable d'entendre ça à ce moment-là. On est sorti du taxi et on a été pris d'une violence. Enfin, moi, j'avais envie de cogner, quoi, vraiment, physiquement.
Et on est parti, quoi. On est parti, on l'a laissé là. Je m'en veux d'ailleurs de l'avoir laissé là. Je sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre, mais voilà. Et, mais juste, c'est quand même assez. C'est une anecdote assez dingue, quand même, sur ce qui. Le mec à la radio, il est dans son taxi, il sait qu'il y a 130 morts quoi, dans les rues non, de Paris. C'est pas, c'est, mais c'est la faute de notre président. Voilà, et ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en machin. Il y a une confusion quand même énorme. Bah, c'est le discours des gamins que vous avez rencontrés, c'est ce que vous avez rencontré après Charmy. Ah oui, après Charmy. C'est ce que vous avez entendu, vous, dans les quartiers, les lycéens, les collégiens. Tu t'es fait lyncher, d'ailleurs. Et vous êtes fait lyncher, en plus, oui, encore une fois. Oui, islamophobe, à l'époque, j'étais. Vous étiez islamophobe, oui, en plus. Et maintenant, tu es antisémite. Et maintenant, vous êtes antisémite, il faut savoir. Et terroriste. Vous faites l'apologie du terrorisme. Essayez de comprendre sans excuser, je comprends très bien votre réaction. À l'autre bout, moi, j'ai une amie qui est arrivée dans un commissariat de police et on lui a dit « Alors, vous étiez au Bataclan, vous avez laissé vos amis tués et vous venez là pour réfugier. » On lui a reproché de ne pas être resté sur place. Alors, vous savez, les bêtises. Ah, c'est compliqué. Hein. Ouais. Oui, c'est pas ça. On devient misanthrope. Hein. Ouais. J'ai vu la pièce hier soir, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pas très bien dormi, mais bon, c'est comme ça. Et par exemple, pourquoi vous mettez Momo dans le sous-titrage? Pas Mohamed, mais Momo, par exemple. Ça c'est fait... comme ça qu'il l'appelle. C'est comme ça qu'il l'appelle. L'officier, le policier, oui. Il se connaissait un peu avant. Il se connaissait avant. Parce qu'il a voulu parler absolument avec ce type-là et pas un autre. Oui, d'accord. Parce qu'il se connaissait justement. Et puis c'est vrai qu'il y a le fait. Il y a deux choses. Je pense que dans le texte de Mohamed, l'écriture de Mohamed Kassimi, je pense qu'il y avait une volonté aussi de montrer que c'était que ça pouvait parler à d'autres voilà, on cite jamais Mohamed Merah dans le texte. Non. Voilà, c'est toujours Momo parce que ça peut, voilà, on peut parler de n'importe quel jeune terroriste aussi. Il y avait quelque chose d'un peu comme ça, je pense. Ouais. Et puis ça fait familier quand même. Et puis aussi cette histoire, parce qu'il y avait une complicité, ils sont très proches. Il y a une complicité très familière entre les deux. On le comprend bien dans le texte. Il a bande de personnes. Son travail, c'est aussi de nouer un lien, de créer un lien pour essayer de lui sauver la vie, parce que c'est un peu le plan quand même. Au départ, l'idée, c'est quand même de le prendre vivant, c'est de faire en sorte qu'il puisse s'en sortir. L'idée, c'est quand même bien ça. Donc, c'est d'essayer de trouver une complicité, d'établir un lien, en tout cas, on l'entend bien dans le texte. C'est vous qui le jouez, du coup. Oui. Quel effet ça fait? Ah bah c'est atroce. Hein. C'est atroce. c'est atroce. Déjà de par le fait que c'est un texte assez compliqué en tant qu'acteur, vraiment dramaturgiquement parlant, si on parle très techniquement, c'est très compliqué puisque ça passe d'une idée à l'autre, c'est « passe-moi le sel » et puis l'autre phrase c'est « je vais tuer un tel ». Voilà, donc il n'y a aucun lien très souvent entre les phrases. Déjà c'est compliqué, et puis le fait de parler de ça, de dire moi la mort je l'aime comme vous aimez la vie tous les soirs, à un moment donné, moi j'ai pris 2 mois après derrière où je pensais qu'à la mort, quoi. Quelque chose, on s'est vu... Le laissez pas à la portée d'une arme. On s'est vu... non, je vous rassure, j'arrive à mettre quand même un peu de distance, mais c'est vrai que... C'est vrai que c'est compliqué de dire ces mots. Moi j'ai créé ce spectacle, je venais d'être papa. Il y avait vraiment, tu donnes la vie, tu dis moi la mort je l'aime. Enfin, il y avait quelque chose de très wow, tu deviens un peu schizophrène. Vous vouliez le jouer, c'était vraiment une volonté. Vous vouliez vraiment incarner. En fait, ça, j'ai essayé, je me suis dit pourquoi pas avec des autres et tout. Mais en fait, ça me parlait tellement, cette jeunesse-là, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y avait quelque chose. Voilà, je pouvais pas le. Là, je vais. Si le spectacle continue, je vais être obligé parce que j'ai d'autres impératifs. Mais c'était compliqué de laisser. Et je dois vous avouer que j'ai proposé à des gens qui font. Qui ont refusé. Ah ouais, on vous a reproché de ne pas avoir pris un acteur. Algérien, que du coup il est devenu. C'est un reproche que j'ai vu. Mais ça, c'est Isabelle Barberis encore. Je pense que c'était. J'ai dû le lire chez elle en fait. Je crois que je l'ai lu chez elle. Elle vous a tout fait. Un acteur algérien, mais quelle connerie. Alors en même temps, ce sont les mêmes qui m'ont reproché à James Bond d'être toujours blanc. C'est-à-dire, on est toujours dans le même. Voilà, c'est la même chose. C'est pareil. Je monte le passeport en rentrant sur scène. Enfin, c'est quoi ces conneries? Non, ça fait partie aussi des choses qui sont aussi. Non, et puis la diversité, enfin ça va, je suis pas non plus.
Enfin, je ne suis pas... Si on veut un peu de diversité sur les plateaux, je veux dire, mon partenaire s'appelle Charles Van de Viver, c'est un grand blanc blond, et moi je suis un peu citoyen du monde. Un petit brun. Donc non, il y a enfin, je veux dire, oui, on fait plus blanc, et on fait quand même, je peux très bien passer pour un... Est-ce que vous je me sens partout, moi, je me sens partout chez moi, j'ai cette chance-là. En Israël, on me prend pour un juif. On en a beaucoup parlé, oui. Je pensais à ça. Oui, on en a de Zucco, de Coltès. On en a beaucoup parlé hier. Alors que c'est pas du tout pareil. Ouais, non, c'est quand même il y a vraiment ce... Parce que ouais. Ça revient tous les soirs, mais... Mais je suis pensée, c'est très différent. Enfin, pour moi, c'est très différent. Coltès, enfin, j'adore Coltès, c'est l'un de mes auteurs préférés, mais c'est quand même, ça n'a rien à voir. On parle d'un serial killer... voilà, là on parle quand même d'une autre jeune, d'une jeunesse radicalisée, c'est un autre sujet quand même. Hein. Ouais. Et on parle d'un gamin qui s'est planté, qui est rentré dans une école juive en pensant que c'était une synagogue. Et en plus on parle pas où il est, quoi. Ce qui est assez étrange, c'est qu'on parle de Coltès en disant mais vous voyez, Coltès, il y avait, c'est vrai qu'on nous a reproché ça, Coltès, il y a de la poésie, il y a quelque chose de moins frontal dans la langue, etc. Alors que c'est quand même un texte qui a fait polémique énormément, avec poésie ou sans poésie. Je veux dire, il y avait, c'était une grande polémique également, parce que voilà, Et je pense que c'était nécessaire, à mon avis, d'être aussi incisif et d'être aussi... Je pense que c'était quelque chose de nécessaire, en tout cas dans votre... Il ne fallait pas faire de littérature avec ça, je ne pense pas. Parce qu'on est revenu plusieurs fois sur le cas de Coltès. C'est vrai que la fascination de Coltès pour les marginaux, elle était là. Pour les blacks, elle est là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui traverse tout son œuvre. Et puis, comme point d'orgue, il tombe sur cette affiche de David Recherche de Zucco. Et il est pris de passion... Il dit, pour moi, Zucco est un mythe éternel. Donc, il travaille les derniers temps, c'est sa dernière pièce, et il va travailler pour, je dirais, rendre hommage dans la langue. Moi, je suis peu sensible au romantisme de Coltès, je trouve qu'il y a un peu trop de musique chez lui, et il veut lui dresser une statue. Voilà. D'où la réaction des gendarmes, des policiers et l'interdiction de la pièce qu'à Chambéry, parce qu'elle s'est jouée ailleurs, notamment à Chaillot. Mais là, on ne pouvait pas, avec Zucco renvoie à un acte isolé d'un criminel et d'un psychopathe, alors que l'action de Mera a plus d'incidence et de résonance dans la société d'aujourd'hui. C'est un psychopathe, mais... que quelque chose d'une menace collective liée à la menace des étrangers, des immigrés, de la guerre d'Algérie, de l'islam, de l'islamisation. C'est-à-dire, c'est une chambre d'écho qui envoie des milliers de réverbérations d'inquiétudes de la société. C'est d'où la teneur, d'où la violence des réactions par rapport à ça. C'est-à-dire, il cristallise toutes les paniques sociales, culturelles de la société française. Et c'était pareil avec, avec la mise en scène et le jeu des acteurs, comme on a travaillé. C'est pas quelque chose, c'est pas une affaire qui... Enfin, il fallait la traiter avec énormément de pudeur et puis ne pas chercher, bien sûr. Et puis, c'est pas quelque chose qui on n'allait pas faire une grande mise en scène inventive avec non, c'était pas possible. Enfin, je veux dire, il fallait évidemment la plus grande sobriété. Voilà, sobriété, sobriété. C'est le bon mot. Sobriété. Est-ce que ce sera le mot de la fin? Sobriété. Moi, je vous remercie. Je vous remercie tous les deux. Donc, représentation ce soir à 20h. Demain à 20h, samedi 18h. Oui. Voilà. Oui, c'était ça, madame. J'y serai demain. Vous y serez demain, voilà. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, puis le livre est... Donc la pièce est en vente avec notre partenaire, La Rivière. Voilà.